Nous voici de retour dans les studios de TVA Jarry. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse. Nous sommes en compagnie d'André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antilles, ainsi que de Daniel Rollet, journaliste au magazine On Air. Monsieur Patrick Vialcollet, président de la Chambre de commerce des îles de Guadeloupe, répond à nos questions. On démarre sans plus tarder notre rubrique Le Tiercé. Alors, je vous rappelle, monsieur Vialcollet, le principe de cette rubrique, tout simplement, la rubrique tiercée, vous devez choisir un chiffre entre 1 et 10 pour tirer la bonne question qui vous a été préparée par nos confrères de la presse écrite. Et je vous préviens, c'est des questions, des fois, qui peuvent être un peu chaudes et incisives. Alors, un chiffre entre 1 et 10. Et on va faire 5. Alors, le 5 pour monsieur Vialcollet. Alors, la synergie Guadeloupe économique est-elle toujours d'actualité ? Ben, je dirais plus que jamais. Parce que si on veut s'en sortir, on n'a pas le choix. C'est pas une alternative. C'est même pas une, j'ai envie de dire, c'est même pas une question. C'est une obligation. On doit y aller. On n'a pas le choix. Et j'appelle tous ceux qui peuvent construire la Guadeloupe de demain à se mettre au travail dès aujourd'hui. Un commentaire ? Non. Non. Cette incitation justement à faire de Guadeloupe économique une priorité suppose aussi la réactivation, en tout cas la poursuite d'un certain nombre de partenariats. Qu'en est-il à votre niveau ? Vous faites allusion auquel ? Je fais allusion par exemple aux chefs d'entreprise qui, à l'extérieur du département, souhaitent justement apporter leur pierre à l'édifice justement de cette... Bon, vous savez, en termes de développement économique, c'est très simple. Il y a des moteurs, l'investissement. Sans investissement, on peut rien créer. Créer une entreprise, c'est le premier investissement. Donc il faut que les investisseurs soient rassurés sur le fait que la Guadeloupe est vraiment une terre d'accueil d'investissement, ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'on a un peu peur de ce qui s'y passe. Hein. La fiscalité, souvent, y est plutôt... je parle de la fiscalité locale, dû au problème des collectivités, notamment des communes, qui sont dans une situation difficile, fait peur. Il y a le social qui fait peur. Et bien sûr, tant que vous n'avez pas une attractivité du territoire, vous n'allez pas faire en sorte que les investisseurs viennent naturellement. D'ailleurs, la défiscalisation, c'était quoi à l'origine ? C'est le constat que les capitaux n'arrivaient pas normalement et on a dû faire de l'incitation. Après, avoir des chefs d'entreprise qui peuvent évoluer selon leurs idées, leurs projets, avec un environnement qui soit le plus favorable possible. C'est ce que je vous disais. Et on vient de parler de l'eau. Bon, pas d'eau, quelque part, vous vous dites, si je suis par exemple dans la restauration, c'est pas la peine. On me dit qu'il n'y aura pas d'eau de façon régulière dans les 5 prochaines années. Bon, autant dire que je ne fais pas de projet. Donc c'est toutes ces choses qui font qu'à un moment donné, il faudra bien que la Guadeloupe redonne confiance aux investisseurs, que les salariés se disent c'est bien de venir travailler là, c'est-à-dire qu'on laisse pas toutes nos, j'ai envie de dire, ceux qui sont brillants partir, parce que c'est ce qui est le cas quand même aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire qu'en réalité, comme la plupart des salariés guadeloupéens qui sont vraiment des élites ne trouvent pas sur place, l'élite part. Et ça, c'est un constat. Et quand vous laissez partir votre élite, vous aurez toujours du mal à tirer votre économie. Et enfin, je dirais, établir une priorité. Il faut un moment donné qu'on dise, c'est qui la locomotive ? Je pense que le président Chalus pense que la locomotive, c'est le tourisme. Bon, on me dira, si je le dis, c'est parce que je suis dans ce métier. Mais je pense que véritablement, les Guadeloupéens, maintenant, ont vu qu'il y a énormément de recettes complémentaires qui se font chez les uns et chez les autres. De la location, de meublé, de tourisme, de bungalows et je ne sais, de voitures, même si des fois l'économie peut paraître un petit peu informelle, ce que je regrette. Alors, on passe au tirage du deuxième numéro, toujours un numéro entre 1 et 10. On va faire 10. Alors, le 10 pour monsieur Vialcollet. La question, tenez, comme vous êtes là, lisez la question. Les membres du bureau de la CCIG sont majoritairement du secteur de l'hôtellerie et du tourisme, comme vous-même. Coïncidence ?
Alors, je dirais, un, c'est inexact, parce qu'il faut que vous sachiez que les élus de la Chambre de commerce sont répartis selon l'industrie, le commerce et les services, et qu'en plus, quand vous êtes dans un bureau, vous devez respecter le fait que le président ne peut pas être du même secteur que le vice-président et que le deuxième vice-président. En réalité, non, je pense qu'on a vraiment une chambre de commerce qui est bien répartie au niveau des différents métiers et également au niveau des îles de Guadeloupe. C'est-à-dire que vous avez, et on a été très soigneux de le faire dans notre liste, vous avez des personnes de la Désirade, de Marie-Galante, des Saintes. Et c'est vrai que cette dimension archipélagique, qui est la richesse, notamment en matière du tourisme, mais qui n'est pas que, on l'a prise en compte. Et je ne partage pas l'avis de ce téléspectateur qui aurait posé cette question. Alors, dernier numéro à tirer, avant de passer à la rubrique suivante, toujours un numéro entre 1 et 10. Alors, je vais faire 1, comme ça on aura fait 1, 5, 10. 1, 5, 10. Alors, André-Jean Vidal, si vous voulez bien lire la question. Vous formez avec Daniel Arnoux, votre associé, un tandem redoutable, dit-on, dans la gestion des entreprises. D'où remonte cette complicité ? Très loin, il me semble-t-il, alors, si mes souvenirs sont bons. Alors, vous savez, ça me fait rigoler parce que dès qu'on dit des amis de 30 ans, on a tout de suite peur. Ça rappelle Balladur et Chirac. Alors, nous, on est un des amis de plus de 30 ans. Je dois à Daniel Arnoux le fait que je me suis investi dans ce secteur, car en réalité, c'est lui qui m'y a poussé. Du coup, j'ai fait la même école hôtelière que lui en Suisse. Lui, elle l'avait fait 3 ans avant moi. Et en revenant, ben, naturellement, on a échangé parce que même au courant de cette école, il m'a dit comment ça se passait, comment t'as trouvé, etc. Et puis lui était à la chambre de commerce. Il était à l'époque à Ecotel, dans le responsable technique pour tout ce qui était l'initiation. Et rapidement, on s'est dit, on avait tous les deux une âme d'entrepreneur et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire ? Et avec beaucoup d'audace, et je voudrais le dire aux Guadeloupéens, parce que certains pensent qu'on est né avec des moyens considérables, on s'est mis à se développer, on a racheté le Salaco, je vais dire pour 1 euro symbolique, hein, faut savoir, mais beaucoup de dettes. On a après racheté la Créole Beach Hotel pour 1 euro symbolique, mais beaucoup de dettes. Plus personne n'en voulait, c'était des hôtels où il n'y avait personne dedans, c'était des couverts en plastique, tout tombait en ruine. Et c'est vrai que notre audace, peut-être notre inconscience à l'époque, parce que quand j'essaie de m'imaginer ce qu'on avait fait, je ne sais pas si aujourd'hui je l'aurais fait, mais on a réussi finalement à reprendre ces hôtels en main et à devenir le groupe qu'on est aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on est assez fiers d'employer environ 500 personnes en Guadeloupe, ce qui nous a permis de créer tous ces nombreux emplois. Et pour un chef d'entreprise, je dis ça souvent, hein, embaucher, c'est très grisant. Licencier, c'est un drame, quoi qu'en pensent certains syndicats. On ne le fait jamais avec plaisir, mais par moment, ben, on n'a pas le choix. L'activité, soit on n'a plus les moyens, et plutôt que de condamner le tout, on prend des décisions qui sont difficiles, mais des fois, on ne dort pas bien. Eh bien, merci pour ce tiercé. Nous passons maintenant à la rubrique de l'ordonnance. Alors, Monsieur Vialcollet, c'est l'heure de la rubrique, comme vous avez compris, de l'ordonnance. On va vous demander une prescription, tout simplement, déjà en matière de développement économique pour la Guadeloupe. Quelle est votre prescription pour 2018 ? Il faut trouver un moteur de l'économie. Il faut arrêter de se dire qu'on va pouvoir saupoudrer partout. Et ce moteur de l'économie, il doit permettre d'entraîner le maximum de secteurs d'activité dans son sillage. Et c'est possible. Pour l'instant, on ne l'avait pas fait. J'entends que le tourisme, et tout le monde est d'accord à le dire, mais personne ne le disait vraiment, et en plus haut lieu, tout au moins pas le pouvoir politique. J'entends aujourd'hui que le tourisme devrait entraîner avec elle la pêche, le BTP, le commerce, l'artisanat, l'agroalimentaire. Tout ça parce qu'on va faire venir quoi ? Ben, au lieu d'exporter, on va faire venir des clients qui vont consommer. Quand on va construire des chambres d'hôtel, des hébergements, eh ben, on va faire travailler le BTP. Quand on va consommer du poisson, parce que c'est ce que les clients viennent, quand ils viennent ici, c'est pour poisson frais, hein, eh ben, on va tirer la pêche. Voilà, des choses simples, mais qui vont fonctionner. André-Jean Vidal. Comment peut-on guérir la Guadeloupe de cet égoïsme ambiant, égoïsme qu'on voit pour l'eau, qu'on voit pour les déchets, qu'on voit pour tous les grands moments de la vie des gens ?
Ça, c'est une... Alors là, je vais vous dire, l'ordonnance, je ne l'ai pas vraiment. Hein. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que je constate qu'il y a des réticences dont des fois on se demande pourquoi on n'y arrive pas. Mmh. L'histoire de l'eau. Mmh. On sait très bien qu'il y a deux problèmes dans l'eau. C'est un problème d'abord politique et un problème financier. Mais on se dit quand même que de temps. La première conférence sur les problèmes de l'eau doit remonter avec Jacques Gillot. Je n'ai pas la date exacte, mais c'est au moins 7 à 8 ans. Ça veut dire que le problème est décelé. On a essayé de le régler il y a 7 ans. Je vous jure que 7 ans après, on est exactement au point ça de départ. Pas bougé. Non, mais c'est incroyable. Mm-hmm. Je ne sais pas si les Guadeloupéens se rendent compte de ça, mais c'est quand même incroyable. Dans une entreprise, vous faites ça, vous êtes mort. Ah, bien sûr. Alors que faut-il faire pour sortir, selon vous, du problème? Il faut que chacun qui soit en responsabilité... Si vous deviez donner une prescription. Non, mais j'en ai pas. Chacun qui soit en responsabilité, prendre la bonne décision en sachant que je ne vois pas comment on va sortir du syndicat unique. Je vous le redis, je ne sais pas. Alors, je n'ai pas la prétention de tout comprendre, tout connaître. S'il y a d'autres modèles, qu'on nous l'explique. Mais nous, on veut de l'eau, hein, c'est simple, hein, pour faire court. Daniel? Vous voulez de l'eau, ce que tout Guadeloupéen qui, de préférence d'ailleurs, paye sa facture, aspire à connaître. Qu'en est-il des finances nécessaires à l'action d'une institution majeure comme la CCI? Le budget de la CCI est-il suffisant pour faire aboutir justement toutes les actions que vous souhaiteriez impulser et comprendre? Et quelle est votre ordonnance pour régler ça? Alors bon, le budget n'est pas voté parce que comme je suis arrivé en novembre, j'ai demandé un décalage au préfet qui me l'a accordé pour voter le budget en retard parce qu'il aurait déjà dû l'être. Il faut savoir que les CCI en France, pas celles, toutes les CCI de France ont une réduction budgétaire, un chiffre, c'est 1 million de recettes en moins pour la CCI de Guadeloupe. Donc son budget va probablement être voté en déficit. Simplement, comme je ne suis pas l'homme des déficits, je me suis donné jusqu'à 2020 pour un budget en équilibre. Et c'est vrai qu'on devra faire mieux avec moins. Et je considère que c'est toujours possible quand on sort des sentiers battus. Alors, justement, comment vous allez vous y prendre? Quelle est la prescription? Déjà, la première chose, c'est que la CCI des îles de Guadeloupe a de l'immobilier qui est très mal géré. Ça veut dire, c'est comme si je vous dis, vous avez des immeubles... Vous parlez du World Trade Center? C'est un exemple, où je ne sais pas comment vous l'avez trouvé, mais ça doit se savoir. C'est comme si vous avez un bâtiment qui est tout payé, vous n'avez aucun emprunt, et tous les mois, vous devez débourser 50 000 euros par mois juste pour le tenir en état, alors vous avez des gens qui sont dedans et qui payent un loyer. Donc à un moment donné, ce n'est pas possible. On va devoir regarder de près, je dirais, tout l'immobilier de la chambre pour le rendre plus productif. Celui qui ne sert à rien, parce qu'il y en a pas mal, il puisse être soit vendu, soit remodelé, et qu'au final, on puisse avoir un immobilier qui nous rapporte de l'argent. La formation, c'est pareil. Vous ne pouvez pas avoir de la formation et attendre que les entreprises viennent vers vous, alors que vous avez de la compétition, et que cette compétition, elle va vers les entreprises. Donc je souhaite que la formation devienne un secteur au moins équilibré, à défaut d'être légèrement bénéficiaire. Et puis après, on a bien sûr toute notre activité d'appui aux entreprises, où là, c'est un petit peu différent. Si on n'équilibre pas, il y a une partie de mission de service public. Et puis il y a quelque chose auquel je tiens, c'est la préparation aux grandes écoles. Là, c'est un secteur déficitaire, mais même s'il le reste, c'est quelque chose qu'on va maintenir, car tout le monde n'a pas la chance d'aller préparer les grandes écoles ailleurs qu'en Guadeloupe. Et c'est bien qu'on puisse maintenir cette prépa HEC. Eh bien, merci de ces prescriptions, Monsieur Vialcollet, bien sûr. Merci d'être venu ici dans les studios de TV. On va faire un petit tour de la presse. Alors, vous êtes le nouveau venu. À vous l'honneur pour présenter le nouveau magazine. Oui, le nouveau magazine, effectivement, depuis un peu plus d'un an, qui en fait s'appelait avant Le Bon Air. C'est le magazine qui promeut sur toutes les lignes, les 18 lignes du monde, en fait, parcouru par justement deux compagnies aériennes, Air Antilles et Air Guyane, qui promeut justement l'excellence, on va dire, locale dans toutes les dimensions. Donc c'est une bonne occasion pour moi de dire que le transport aérien soutenant justement l'activité touristique et économique a aussi sa représentation au niveau des magazines. Je précise qu'il est présent également sur tous les réseaux sociaux. André-Jean Vidal,
Nous avons à France Antilles, ben une rubrique quotidienne, votre plus beau marché, c'est un partenariat avec TF1. Chaque jour, nous présentons un marché, soit de Guadeloupe, soit de Martinique, soit de Guyane. Il faudra voter, on fait une note de compte pour le plus beau marché de cette zone qui sera filmé par TF1. Et après, ça sera diffusé partout en France. Sinon, pour le MAG, samedi prochain, nous avons un dossier sur les chaînes de l'info. Les chaînes de l'info. Mais oui. Eh bien, France Info, par exemple, on est l'exemple type. En télévision, tout à fait, qui reprend donc tout ce que nous savons, tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, la façon de communiquer, la façon de faire le buzz à partir d'une petite info. Et voilà. Et on retrouve bien sûr le MAG. Mais c'est sur le MAG, c'est ce que je vous dis là. Oui, c'est le sur MAG, le MAG. Mais quel jour ? Mais le samedi, bien sûr. Et c'est quelle avec question le... Avec France Antilles. Avec le France Antilles, on a le France Antilles plus le MAC pour le même prix. Voilà, Face à la presse, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information. Si vous nous suivez, bien sûr, en radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local de FM, suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio.